Un Xavier, une fenêtre, une toile, une porte. Je suis très en forme, hein. c'est la rentrée. <laughs> la fenêtre de la porte par Xavier Delaporte et ses humeurs numériques. Vous nous parlez d'un hashtag ce matin qui a animé Twitter tout ce week-end. Les profs, on vous parle. Ça, c'est le nom du hashtag. Mais mmh. avant, je voudrais évoquer un souvenir personnel. Dans une ancienne vie, j'ai été prof et ai fait passer l'oral du bac français en lycée technique une année. Ça se déroulait dans une grande salle au fond de laquelle un prof faisait passer, lui, un oral d'histoire. Un après-midi où je m'ennuyais à écouter un élève qui s'en foutait manifestement, j'ai vu mon collègue historien se passionner pour son candidat. Le jeune homme avait manifestement beaucoup de choses à dire et à chaque question, il répondait longuement et avec entrain. Alors une fois nos deux euros terminés, je suis allé voir mon collègue qui me raconte. Il me dit, ce type est génial. Il a attiré comme sujet les démocraties populaires de 1945 à 1989, où d'habitude les techniques y galèrent. Et lui, il savait tout. Il répondait à toutes les questions que je lui posais. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là et il m'a expliqué. Il est super dyslexique depuis tout petit. Il a donc été orienté en technique, alors que ce qu'il aime, c'est la littérature et l'histoire. C'est vraiment tragique comment l'école peut faire des trucs pareils. Bon, j'ai mis 20. 20. Et tous les deux, donc, le prof d'histoire et moi, on a eu les yeux qui sont partis dans le vague. Quand est apparu euh, vendredi le hashtag Les profs, on vous parle et que j'ai vu les discussions véhémentes qu'il suscitait, j'ai repensé à cette histoire. Ce hashtag, il a été lancé par une militante qui voulait interpeller le corps enseignant avec des témoignages d'élèves handicapés ou harcelés, parfois c'est les deux, n'ayant pas trouvé de soutien dans l'école. Le problème, c'est que la conversation a rapidement dévié. Les griefs contre les profs se sont élargis, du genre c'est dégueulasse d'envoyer les timides mmh. au tableau. Les profs se sont sentis visés, certains ont réagi de manière assez brusque, du genre on n'est pas des psys, on n'est pas des assistantes sociales, et un hashtag a été créé, un hashtag concurrent, il s'appelle les élèves on vous parle. <laughs> D'autres sont venus au secours des enseignants sur le mode c'est quoi cette génération de géniards qui ferait mieux de bosser, ce qui a excité l'énervement des plus hostiles à l'école et tout ça a fait trop de bruit pour qu'on n'y entende plus quoi que ce soit. Que ce hashtag m'ait rappelé cette vieille histoire n'est pas anodin et illustre quelque chose, me semble-t-il, de notre modernité numérique. Le prof d'histoire et moi-même, on a vraiment été ému par cet élève et nos yeux dans le vague, euh, on se sentait responsable pour l'institution qu'il avait mis dans cette situation. On pensait aussi à toutes les fois où, par négligence, par manque de temps, par ignorance, on a peut-être nous aussi mis un élève dans cette situation. On aurait sans doute été prêt à l'admettre, mais si une foule était venue nous dire qu'on faisait mal notre travail, qu'on était mal intentionné, avec des arguments plus ou moins pertinents et des expériences très diverses, on se serait sans doute défendu et on aurait défendu notre institution. On aurait fait bloc et ouais. on aurait évité les douleurs de l'introspection. Ouais. Et c'est tout le problème de la conversation numérique. Elle articule très difficilement l'individuel et le collectif, le particulier et le général, surtout quand elle aborde des sujets comme l'école sur lequel tout le monde a une expérience à faire valoir. Chacun. Dans la solitude de notre écran, quand on intervient dans ce type de controverse, nous avons un mal fou à ne pas nous sentir directement visés et à nous extraire de la position depuis laquelle nous parlons. Personnaliser les réactions et les prises de parole, c'est à la fois la beauté et la limite de ces grandes polémiques dont nous abreuvent les réseaux. Je ne suis pas sûr que ces discussions, par trop bordéliques et violentes, de ces discussions, ne sortent quoi que ce soit, ni même qu'elles fassent changer d'avis quiconque. En revanche, en revanche, elles ont valeur de signal. Ici, il y a peut-être un problème, il faut mieux s'en occuper, nous disent-elles. Recevoir le signal, c'est tout qu'en l'occurrence, on demande à l'éducation nationale. Merci Xavier Delaporte, à réécouter sur franceinter.fr Les yeux dans le vague.